à 24. Je crois que ça suffit, non? The Tragedy of Macbeth est le film que nous critiquons aujourd'hui. Inspiré de la pièce de théâtre de Shakespeare, si je ne m'abuse. Qui est un film donc qui m'a étonné en bien. Je crois pas avoir tout compris. À cause des phrases dites, tout ça, parce que c'est très d'époque. Je pense pas avoir tout compris, donc si vous voulez un avis plus complet, moi, je vous renverrai chez LCDC, qui a fait sa critique. Mais personnellement, je ne l'ai pas vu. Mais je lui fais confiance parce que possiblement ne pas regarder jusqu'à la fin, parce que quand tu fais des vidéos du haut, à la fin, il spoil. Voilà, c'est son habitude. Quand tu fais des vidéos du haut. Commençons tout de suite avec le jeune acteur. On a Denzel Washington et Fuente McDowan. Ils sont incroyables. On a Ralph Ineson. Qui l'a vu? Qui s'en souvient dans ce film? Tout début. Tout début. Il est incroyable. En une scène, il m'a. Après, nous avons. Bah, il n'y a que eux, quoi. Que j'ai vraiment noté. Personnages. Les personnages sont vengeurs, bienveillants, encore manipulateurs, fous. Comment dire? Leurs personnalités ne sont. Non, leurs faiblesses ne sont jamais montrées. Enfin, elles sont montrées, mais bref. Ah, parce qu'en fait, ils ont beaucoup de fierté, ces personnages-là, ce qui fait référence à l'époque, tout ça. Voilà. Histoire, un récit dramatique très bon, un drame de genre tout simplement royal. Dans une quête de pouvoir d'un magistral avec message et côté à 24 à couper le souffle. De par une magnificence incroyable. C'est une quête de pouvoir, de reconnaissance peut-être. Un drame de genre donc. Dans un mélange d'une habileté forteresse et un film quasi parfait quoi. Enfin, il n'a qu'un 3,5 sur 5 pour ma part, mais je l'ai trouvé très bon. Voilà. Mon Tragedy of Macbeth, c'est pas la fin de la vidéo, attendez, attention. Mais comme je vous le dis, j'ai pas tout compris, je pense. C'est pour ça qu'il y aura des failles. Alors, au niveau de l'histoire, du scénario. Oh non, le scénario c'est bon je pense. Au niveau de l'histoire, de l'anxiété, du gore, des dead scenes et du mystère, je peux avoir un peu de mal. Et quand je parlerai de la fin aussi, j'aurai possiblement du mal. Là, donc là j'ai fini de parler de l'histoire. Scénario, les dialogues, n'étant pas de notre époque, sont déjà beaucoup plus originaux, voilà, qu'à l'habitude. Mais jamais dans le dithyrambique et toujours dans la compréhension du spectateur. Le scénario est assez beau, une beauté qui. Que c'est trouvé à 24 dans chaque film en fait. Hein. Anxiété, même si il s'était gouré avec The Monster qui a été distribué aux USA par A24, ce qui m'a étonné. Anxiété, gore, dead scene, mystère, une ambiance d'étrangeté à 24, plaisante d'une façon si mélodieuse, une ambiance si belle, planant une magnificence d'un magistral. C'est très bon, parlant de choses pas mal du tout. Quelque chose qui prend le spectateur. Alors, au niveau de l'anxiété, pour parler plus précisément de l'anxiété, je dirais que c'est anxieux parce que ouais, les personnages tombent dans la folie et tout. Voilà. Le son, le son est très bien, les pas, les graviers, les flammes, très bon. La fin des Macbeth, c'est pas mal du tout, franchement, j'ai trouvé la fin très bonne. Les musiques, bah voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas grand chose à dire parce que je suis pas sûre d'avoir tout compris. J'ai compris la toute fin. Mais j'ai peut-être pas compris l'avant-fin, en fait, ce qu'il en tenait. Une bande-son magistrale, merci A24. Mais peut-être que mieux vaut que je n'ai pas tout compris, parce que peut-être que j'apprécierais moins le film, je sais pas. Hein. Après, justement, je vais encore plus l'apprécier, mais voilà. Pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre, mais on aurait pu arriver aux 4 étoiles, et ça, c'est pas mal. Parce que c'est un film qui mérite un beau petit 15 sur 20, voilà, j'ose le dire tout de suite, j'ose le dire maintenant! Et déjà la photographie, on en reparle s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, le photographie carré, black and white. Tout ça. Non, vous, ça vous a pas marqué. Chaque plan est d'une beauté, chaque plan est un cadre. 15 sur 20 est la note que je donnerais. Je voudrais vous dire ciao. Vous l'aurez compris, The Tragedy of Macbeth, c'est un chef-d'œuvre quasiment. Un quasi-chef-d'œuvre. Ciao, c'était Mort Omega. Prenez soin de vous. Et moi-même, je prendrai soin de moi, hein, pour une fois.